Hé hey. Où est-ce que tu vas? Au marché? Non, je... Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux? Tu vis ici, avec moi? Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça? De moi? De bons gages? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu vas être marié à un paysan toute ta vie? D'accord, Edward. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline! Caroline! Kid. Debout, Kenway. Satchella? Il est parti ce matin sur le galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Il y a assez de place pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es marié, vraiment? Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Quelque chose. Il faut que tu vois ça. Allez, viens. Drôle de structure, non? Venu d'un autre temps. Qui les a faites? Les Mayas? Ou les Aztèques? T'es doué pour les énigmes, Edward. Les devinettes, les mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Oh, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux? Je vais avoir besoin de ton aide. Concentre-toi, fais appel à tous tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits, au cœur de la matière, jusqu'à ce que tu perçoives une sorte de... chatoiement. Un chatoiement. Tu comprends? Je crois, oui. J'ai déjà vu des choses semblables. Une lueur, comme la lune sur l'océan. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits et entendre les formes. Quel mélange étonnant. Tous les hommes et les femmes de cette terre ont une forme d'intuition tapie au plus profond de leur être. J'ai possédé ce sens toute ma vie. Mais je croyais qu'il était lié à ces choses que je vois dans mes rêves. La plupart ne le découvrent jamais. Certains ne le révèlent qu'après des années de pratique. Mais pour de rares élus, c'est aussi naturel que de respirer. Ce que tu ressens, c'est la lumière de la vie.
des choses vivantes d'aujourd'hui et d'hier. Le résidu de la vitalité, désormais dissipé. L'essence d'un homme s'affûte bien au-delà de ce qu'ils sont à sa naissance. À force de pratique. T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose ? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup ? Quelques dizaines, je crois. Par ici ! J'ai autre chose à te montrer. J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce secret sera bien plus à ton goût. Nous y voilà. Qu'en penses-tu ? Je pense que Monsieur Ducasse aimait les secrets. En effet, il regarde ça. Un escalier dont on connaît pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi ? Compte tenu de la réputation de Ducasse, je ne serais pas surpris d'y trouver d'atroces instruments de torture. Une vierge de fer ou une collection de brodequins. Ou une poire d'angoisse. C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Mais c'est la clé que t'as prise à Ducasse. Voilà une. Plus que quatre. Ouais. Peut-être que ces quatre Templiers les ont. Tu vois ces noms ici ? Ils ont été envoyés pour tuer ces quatre cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à La Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non ? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine ? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre.
t'en vas déjà? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Oh, qu'est-ce que tu dis? On est des pirates, kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça, ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça, alors? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer.